Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur télévision nationale d'Haïti dans le SA, son plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. L'année passée, nous avons toujours intéressé qu'on est comment la réalité est aux États-Unis, en France, au Canada. Mais je dis, c'est pas seulement un pays ça qui concerne Haïti, puisque il y a de l'autre pays côté qu'on présente sur certaines communautés haïtiennes. Nous avons parlé de Chili, nous avons parlé de Brésil. Alors, ce week-end, ça, c'est un deuxième tour élection présidentielle dans le pays Brésil. Et là, pour voir, il passer à l'extrême droite. Jair Bolsonaro, c'est nouveau président brésilien. Nous avons regardé des grands films, nous avons regardé tout avec présence communautaire. Haïtienne par rapport avec ça, le tabdi dans la campagne électorale, qui ça nous capable d'attendre. Pour nous faire mise au point, ça, nous avons recevoir professeur Fernando Estimé, qui a accepté de certainement répondre à une question nous matin. Professeur Estimé, son plaisir, vous nous soutenez. Son plaisir, Sergino, et son plaisir pour moi avec tous les téléspectateurs TNH pour nous faire parler de la situation qui vient au Brésil avec l'arrivée au pouvoir Jair Bolsonaro. Parfait. Nous avons démarré la diocèse juste avec reportage où nous avons préparé après, on a fini publié résultat officiel côté Jair Bolsonaro, c'est nouveau leader brésilien. Voici le Brésil de Jair Bolsonaro. La quatrième plus grande démocratie du monde l'a élu comme son nouveau président. 55% des électeurs ont donc choisi l'extrême droite, pour beaucoup pensant qu'il va sauver leur pays du communisme. Maintenant, ce pays est comme je voulais qu'il soit. Ce n'est pas un pays communiste. Le Brésil n'est pas un pays communiste. C'est fini. Le Parti des travailleurs a perdu. Mais dans son discours de victoire, les Brésiliens ont eu droit à un Bolsonaro plus conciliant, moins excessif. Il a parlé égalité, diversité, remisé ses propos racistes. Tant plus un drame. La joie bon côté équipe Bolsonaro et tristesse bon côté PTA et Parti Travailleur. Vraiment, et hier soir, c'était sa réalité atteillée dans le pays Brésil après publication résultats officiels. Là, et professeur Fernando Estimé, a rappelé que c'est consultant politique étrangère, monsieur qui pourrait aider nous comprendre ce qui passait à là, pouvoir qui passait à l'extrême droite. C'était prévisible, Fernando Estimé. Avec situation Brésil qu'on est depuis pratiquement 3 ans, c'était plus que prévisible parce que il y a tellement de gros dans ton discrédit qui jetait sous parti traditionnel, notamment parti travailleur, là, qui s'est passé pratiquement 14 ans sous pouvoir, même si 2 dernières années et demie, ce n'est pas vraiment lui-même qui t'a dirigé, puisque tu es impeach président Dilma Rousseff. C'était Colistier, le vice-président Michel Temer, qui était fait une férée mandat. Et donc, pire scandale, scandale Petrobras, scandale Odebrecht. Donc, tellement de scandales de corruption qui a fait dans le pays, toute partie traditionnelle qui impliqué là-dedans, qui donc cri de colère, la table grondée en bas depuis bien longtemps. Et ils ont joué un monde qui a transmis la colère, qui a poté la colère à aller. Et le monde, c'était Jair Bolsonaro, qui donc, l'idée évident. Dès le départ, pratiquement après M. Finbra coup de couteau, que l'ab difficile pour mon rattraper, et des veines pour partir travailler là, le malheur n'arrive jamais seul. Luis Ignacio Lula da Silva, qui est ancien président pays, n'a pas arrivé candidat parce que la justice est condamnée, même si Nabgué pour nous sa vie devant, c'est pratiquement une justice expéditive, puisque on condamne monsieur à 100 preuves, on ne condamne pas déjà sur des oui dire, mais un fait est que Lula a la prison, et c'était Colistiel, puisque c'est le même système avec les États-Unis, donc président et vice-président. Donc c'était vice-président qui t'a parlé avec Lula sous numéro 13, numéro 13 qui c'est numéro parti des travailleurs là, c'est lui-même qui Lula obligé désigné, m'a parlé là de Fernando Haddad. Fernando Haddad qui est descendant, monde qui sorti dans le Moyen-Orient, Libanais, qui est réfugié au Brésil, et bien c'est Fernando Haddad qui t'a pris le concouru pour chance parti travailleur là. Évidemment, 2 mois, c'est assez juste puisque ça a été 2 mois. Monsieur pas de candidat pour président, c'était pour vice-président, c'est ancien magistrat ville Sao Paulo. Donc c'est monsieur qui t'a pris le défendre couleur parti travailleur là. Je suis capable de le faire compter fort, il vient dans le deuxième tour quand même. Mais c'était évident que la colère était beaucoup trop forte contre les partis traditionnels. Puis nous espérons l'autre résultat. Les gens qui ont voté pour Jair Bolsonaro à 40% environ,
ont voté contre d'autres projets de société, contre d'autres partis qui étaient impliqués dans des scandales de corruption. Donc c'était pratiquement évident. Au fait, M. Rivière convainc la majorité électeurs au Brésil. Est-ce qu'on est capable de dire avec ça que passé à son véritable camouflet pour le PT? Alors, est-ce que Rivière convainc en grande partie dans l'électeur? De 55%? Oui, en fait, m'a dit l'autre parti aurait réussi à faire une déception montée tout. Oui, parce que le vote, t'as qu'au choix, ce que il y a plusieurs manières de voter. Il y a un vote de ralliement, il y a un vote contre. Si Fernando Estime est candidat à une élection, on peut voter pour Fernando Estime, tout comme on peut voter contre l'adversaire de Fernando Estime. Eh bien, près de 40%, grosso modo, selon certaines études, ont montré 40% des gens qui ont voté Bolsonaro ont préféré voter contre le projet de PT. Donc, ce n'est pas réellement un vote de ralliement, c'est pour ça que j'ai parlé de vote de colère. Parce que très souvent, l'on regarde au fin fond ça qui passe dans le vote là, on prend compte qu'il y a des gens qui votent pratiquement, tant qu'on a dit le babo ici, contre tête. Parce que le programme qui va être appliqué en Haïti, on a un petit slogan qui est le remède de choix là. Là, on est parti pour un sérieux tour, car l'économiste en chef pratiquement de Jair Bolsonaro, qui est son grand conseiller, qui sera probablement ministre des Finances, c'est Guedes. Guedes, ce n'est même pas un enfant du FMI, c'est Chicago Boys, tout cru. Donc, Chicago Boys avec un programme ultra libéral. Donc, Marie Saint-Ia pour le commencer, vous remettre choix là pour le commencer. C'est ça fait grand monde qui dit quoi que l'affaire Bolsonaro n'a pas de possible, puisque avec discours que monsieur a véhiculé pendant toute campagne là, discours raciste, discours contre femme, discours homophobe, il y a monde qui croit que étape difficile pour monsieur arriver, même. C'est ça quand même. Et bien, c'est ça qui gagne avec population. Les populistes là fait feu de tout bois. Et ça a long avantage. Tout le monde joue nos bagailles, il aurait aimé. Tout le monde a joué nos bagailles qui pour yo. Cela dit, pendant qu'il a joué les femmes, non, mais il n'y a pas de femmes qui votent pour lui. Parce qu'il y a des femmes qui disent que vous pouvez marcher dans la rue. Donc, il n'y a pas de problème. Ils ont fait mes oreilles sur le dossier femmes, non, sur le dossier Matisse, ils prennent bonne sécurité. Il y a des gens qui sont en faveur, qui sont pauvres. Le programme économique qui va l'appliquer, évidemment, il va pour eux. Mais, ils ont même dit, les vivent dans la favela, et moi je connais un peu le Brésil. Et les hauts du favela, je peux vous dire, les quartiers qu'on a ici, qu'on appelle les ghettos ici, c'est vraiment le paradis sur terre par rapport avec ça. Par les nègres qui chef gang au Brésil là, c'est pratiquement demi-dieu le considéré tête les petits temps là pour faire vivre là, dans le quartier, mettez mon pas. Et favela ça yo, il y a des gangs qui sont très 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 puissants et le Brésil trouve le nom côté des cajuns zam très facilement. Le Brésil produit zam lui-même. Et ou même très souvent, vous avez cassé côté de Genzam, vous avez les âmes, mais trouver tout dans le pays, côté par configuration pays. Ya. Le Brésil, c'est un des plus grands pays du monde, c'est la cinquième puissance territoriale du monde. D'ailleurs, le Brésil est cinquième de manière territoriale et aussi de manière démographique. Donc, cinquième puissance territoriale, le Brésil a pratiquement frontière avec tous les pays de l'Amérique du Sud. Tous les pays de l'Amérique du Sud, mis à part l'Équateur et le Chili. Et l'on regarde les frontières là, dans le Colombien, qui est le Brésil, dans le Amazonien, il y a les rebelles des FARC, des forces armées révolutionnaires de la Colombie qui sont démobilisées pour maintenant. Mais les gens ont adopté des armes, donc ils ont 20 armes. Venezuela a son tête chaïque, donc un chef gang au Brésil qui a un papier dollar américain ou bien réel qui a besoin d'acheter des armes, il a besoin d'armes très facilement. Et donc dans la favela, les armes c'est monnaie courante. Et les gens font régner une campagne de terreur dans la favela. Et la configuration favela, la flotte de montagne, petit corridor, petit route. Par les côtés pour machine passée qui doit faire cause et mettre sécurité intérieure là, c'est oublier ça. Qui donc tellement de violence dans la favela et discours Bolsonaro touche un paquet de monde tout parce que lui-même dit qu'il a besoin de mettre l'ordre et d'ailleurs il même parlé de port d'âme pour autoriser les gens pour tes âmes normalement puisque de toute façon, les qui chef gang dans lui-même pour tes âmes librement donc pour qui ça pour citoyen normal là pas pour tes âmes normalement et ça fait un paquet de grands nègres au Brésil qui soutenent monsieur, un paquet de gros tonton ancien footballeur d'ailleurs les gens nous connaissent en pile, je parlé de Felipe Melo, je parlé de Ronaldinho. Ronaldinho a pratiquement créé le parti de Bolsonaro parce que les Ronaldinho rejoignent le parti Bolsonaro. Tout le monde m'a dit, mais c'est quoi ça? C'est un micro-parti. Pourquoi il a rejoint ce parti? Tout le monde a posé tête aux questions. Sauf que je ne veux dire, c'est parti ça pour pouvoir au Brésil. Pendant que je monsieur, tu parles d'un qui pour torture, au monde qui, quoi que font l'armée population. Et le même dit, tout si un policier commet crime, il doit amnistier. Alors, c'est des bagages quand même qui te paraît très inquiétant. Oui, la presse inquiétant pour nous-mêmes ou bien pour nous qui chita en Occident. Mais les caps vivent dans la favela, le pas inquiétant pour lui parce que lui-même, il a le temps de les chanter à longueur de journée. Ma pour une ville par exemple, t'as coupé Sao Paulo côté gang que les PCC. PCC le premier commando de la capitale. Les Brésiliens ont même surnommé le PCC le parti du crime, tellement que c'était puissant.
Nègla li même l'a fait connaissance avec ça chaque jour, li envie bon monde qui vient mettre l'ordre parce que pas gen monde qui mettre l'ordre dans favelas yo, notamment dans grande ville sud-est, m'a parlé de favelas qui dans Rio de Janeiro ou bien Sao Paulo ou bien quelques grandes villes dans nord-est là tout qui commençait gen gros tonton violence là d'ailleurs pour Recife. Qui donc nègla li même le besoin monde qui pour mettre l'ordre dans pays a qui donc l'a fait connaissance avec balle là tout temps, balle là pas dit là, imaginez pour causer Brésil, nous veut monde qui tout mieux l'attendre. Brésil c'est côté sous la terre dans pays pas en guerre ou bien plus monde mouri. L'on pays capable gagner par année 55 000 moun à 60 000 moun mouri la donne. Chiffre ça c'est chiffre un pays qui en guerre. Et m'a prend une comparaison pour nous comprendre. Sous même année alors comparer chiffre Brésil lui a chiffre la Syrie. Tout monde qui la caillo la Syrie toute journée bon m'a pas éclaté. Mais c'est pratiquement le même chiffre. Qui donc nous fait nous comprendre situation peuple brésilien lui-même. Mm-hmm. Le chita c'est cadavre la ramassé. C'est cadavre la ramassé chaque seconde. Chiffre Brésil un pays pas en guerre capable comparer avec un pays si c'est pays qui principalement sous en guerre sous la terre sans si gen plus gros guerre qu'a fait la donne sous la terre pour chiffre Brésil que doit capable dans comparaison avec chiffre la Syrie c'est pratiquement dérespectant. Mm-hmm. Évidemment Brésil il faut relativiser, c'est 206 millions de personnes, donc 206 millions de personnes, donc il faut relativiser, mais la violence au Brésil elle est endémique dans certains quartiers, c'est vraiment invivable. Mm-hmm. Par contre, si vous regardez des films Cité de Dieu, vous regardez des films Cité de Dieu, vous racontez l'histoire gang au Brésil, c'est un bagage qui est terrible. Qui donc, vous avez besoin de mes fautes qui pour mettre l'ordre. Pas un monde qui va négocier à gang. Imaginons le Coupe du Monde 2014, le Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016, le pouvoir politique était obligé de négocier avec des groupes de gang pour établir la paix dans le pays. Je veux vous dire, ces gens-là sont des bandits illégalement légaux. Mm-hmm. Ce qu'on dit, c'est que pour demander la paix, c'est vraiment bandit qui est illégalement légal. Mm-hmm. Donc, il faut que les gens qui mettent l'ordre dans le cas là, c'est ça, une série de monde au Brésil, d'où ils ont besoin. Oui, mais Ari Bolsonaro, c'est un homme qui a quand même fait apologie de la dictature militaire. Oui, mais la population brésilienne, elle est jeune. Et parti qui vient prendre pouvoir après une dictature militaire, il y a qui monte au pouvoir après 85, il n'y a pas vraiment créé un discours autour de ça qui est passé pendant la dictature. Là, les nègres là, jeunes, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, 35 ans, ils viennent raconter l'on a d'autres qui étaient passés en 70, en 80. Ils même dans la dictature, déjà parce que le gros chef gang Bola Kali passe touché chaque jour. Chef gang fait recette chaque jour. Les fins vendent dans la boutique là, les gonti dim pour le payer. Là, on dit dans l'église là pour pasteur, bien pour un prophète, il faut le passer tout payer à la caisse pour le bon chef gang. Dictatorial ou elle toute journée, oui. Qui donc parole dictature, pas elle qui était passé avant de 85, qui baille ça le parcours, elle a 35 ans, 85 qui l'a juste gagné. Quand elle a fait congé, parole dictature. Et dictature, elle même dit, well. Parce que les PC se mettent ville lâche, tout n'est pas elle n'est pas sortie. Donc ça, elle même dit, ouais, ça crée les dictatures là. Ça veut dire, l'autre parle de dictature qui est passé bien loin, bah, ça n'a pas fait connaître la velle. Dictature, ouais, devant, c'est chef gang qui empêche le sortir dans la favela, la Kailia. Mais pas seulement favela au Brésil. Pas seulement favela. Les quartiers de Rio de Janeiro, notamment les quartiers proches des zones touristiques, sont comme des grandes villes européennes. Mm-hmm. Sauf que ça, c'est le mirage. Les qui pauvres là, lui-même, qui vivent dans le ghetto, lui-même, ils pas, ou imaginons, ils pas le beau plage là chaque jour, lui-même. C'est là pour le vin dormir, même là le travail, bon plage là, là le travail dans l'hôtel, là le travail dans le market ou bien ça, il faut le vin dormir là, Kaili. Si là, Kaila Chol, pas rentrer vin dormir. Et bien c'est ce vote de colère là qu'il y a eu. C'est ça, nous, vous paquet de monde qui va même programme politique Bolsonaro, on va pas le profiter de yo, mm-hmm. Mais au jouer nos bagages dans Bolsonaro, yon remet. Bolsonaro qui a parlé tout pour Brésil, là, il était pour Brésilien. Parce que le bac pile, mon avis en va, il sortit juste Venezuela. Sorti en Haïti, faut dire moi aux gens ouais, a vinn envahir, il ne lui pas jouer un job là avec pour il t'a besoin de gens. Et de toute façon, il y a un très très mauvais exemple pour les Brésiliens. Les Brésiliens regardent le Venezuela qui est juste à côté. Le Venezuela qui est un pays qui est en quasi faillite. Et parti travailler là pas jamais couper relation avec Venezuela. Lula a une très très bonne relation avec le régime qui est en place là. Et je dis à parti travailler a toujours qu'un befrain, pas tellement critiqué Venezuela. Qui donc les Bolsonaro dit parti travailleur a besoin de faire du Brésil ou l'autre Venezuela, ça fait peur. Mm-hmm. Et pas oublier Brésil, son gros tonton pays, le monde qui l'a caillou comprendre ça. Le Brésil, c'est la septième puissance économique du monde en termes de PIB. C'est un PIB de plus de 2300 milliards de dollars américains. Donc c'est septième puissance économique Brésil. Évidemment, c'est un pays extrêmement inégalitaire. 1% de la population brésilienne contrôle 47% des richesses du pays. Mm-hmm. Donc c'est vraiment n'a pas inégalité. C'est selon Honduras dans zone qui arrive dans le Brésil. Mais les qui viennent comme là, les mêmes faut le protéger comme là. Les parents vivent un exemple Venezuela. Et Venezuela, tout comme le Brésil. Le Venezuela, c'est un pays qui vient de perdre 2,5 millions de personnes.
Il y a 2,5 millions de monde qui courent qui viennent venus là pour faire pas bon. Principalement, puis là, de la Colombie, mais quand il y a des gens au Brésil, ils viennent. Qui donc, leur, les chiffons rouges, ça, ils disent, mon cher, mon pété, ça, au parti travail, a besoin de faire. Alors, évidemment, ce n'est pas Fernando Gil, non. Et c'est pas forcément vrai, mais c'est quand pas c'est politique, mon a utilisé beaucoup de café le gain. Donc, les chiffres, ça, ils disent, mon cher, mon ça, a besoin de faire payer, même j'ai Venezuela. Pays brésilien va accepter. Pendant qu'on parle à tout, la presse n'était pas très inquiète par rapport avec le discours que M. Tegué, notamment pour un journal qui était quand même gagné des données qu'il y a à M. que le pas content du tout, et de même promettre pour la même fermer le journal. Ça. Eh bien, pour dire vrai, Bolsonaro a fait des dérapages. C'est pour nous qui contrôle l'engagé. D'ailleurs, Tepio là, M. Gonge, député dans le Parlement brésilien qui a fait débat avec elle, qui a parlé dans la cause RIP, alors RIP en anglais et en français, en créole, on appelle ça tisonaï, dans la cause, vous comprenez, et principal qui va pour nommer mesdames, sans autorisation. Et pas même harcèlement, viol, carrément, en français, tisonaï. Qui donc, monsieur dit député, avant, c'est tout ou même tout forme lettre de coulade pour me permettre de violon. Il dit, parole, monsieur, cru. Ouais. Et très souvent. Tu l'as même dit, quand visite fille qui est éduquée, papi de son temps en noir. Eh bien, non, papi de visite garçon, tout par une cause pour mener noir la caille là. Et monsieur dit tout si un petit garçon t'a tombé dans ma sissi, tout c'est pour mon Dieu tout prend ça dès qu'on fait finir à lui. Ça a dit parole yo cru, mais parole yo cru yo gon relais. Parce que le Brésil, les gens sont peut-être oubliés, c'est le plus important pays chrétien au monde. Le Brésil est une puissance chrétienne. C'était un pays qui était foncièrement catholique et maintenant les chrétiens évangéliques, notamment pentecôtistes, néo-pentecôtistes, sont en train de faire une véritable percée au Brésil. En Haïti, on n'a pas les causés, nous avons un prophète, des prophètes. Le Brésil, ce n'est pas prophète, il y a toute la Bible net. Tellement de prophètes au Brésil. Et les qui dans l'église évangélique, ils ont organisé pour les députés. Parce qu'on connaît l'argent et c'est la pouvoir, on est qui va vous dire menti. Donc il va petit peuple il va ta kabay menti mon qui veut bon Dieu tout bon Dieu que vous mes amis il bay bon Dieu menti c'est pas moi avoir c'est Gino pour le pas ta bay menti et ben nèg yo papa tout dit c'est bon Dieu que vous voyez et tout dit peuple a voter c'est pour bon Dieu dans parlement mais elle rivé il parler pour bon Dieu dans parlement et puis il parler pour poche tout parfait et ben nèg ça yo yo bon discours qui vient antipéter pour qui ça parce que moun la gauche yo a parlé pour cause fika maria fille garçon ka maria avec garçon et ben nèg qui très grand chrétien on chrétien neuf yo yo pisélé les zélotes nous t'a dit chrétien neuf pas faut montrer c'est chrétien lié papa et ben kounya nèg yo dou mon cher moun ça ou va faire garçon maria garçon et ben pa yon ta bois c'est Bolsonaro lié et au lagué koyo dans Bolsonaro il y a eu un vote évangélique qui s'est tourné vers Bolsonaro car le parti des travailleurs en plus de la corruption mais il y a des problèmes qui on a dit des un paquet de gros défis sociaux que on pas veut al prend chance avec mon parti des travailleurs d'ailleurs conservateur retourner pour pouvoir au Brésil là et non seulement conservateur c'est une alliance conservatrice une alliance entre les conservateurs économiques et des conservateurs protestants et catholiques. Parce que non seulement les gens qui ont comme eux viennent avec Bolsonaro, parce que l'Ogadi, évidemment, Bolsonaro n'a pas un programme bien défini. Par exemple, c'est petit bout de phrase, petit bout de phrase, petit bout de phrase. Slogan. Oui, mais quand il y a quelqu'un derrière lui, et je parle d'un économiste qui est très reconnu à l'échelle internationale, font des capables mettre même les juste en Haïti. C'est un Chicago Boys Guedes qui est très très réputé. Et Brésil gagne tradition, sa tradition, gros gros tonton économiste, qui donc laisse Guedes qui bal volet économique là, n'est qui gagne l'argent dans la bourse, n'est qui gagne l'argent dans l'industrie, fait mis sous. Bolsonaro, d'ailleurs, le résultat premier tour là-bas, dans le même matin, Boussa ou Parloa gagne 6% augmentation. Ça y est, qui gagne comme là, je dis que ça bon pour moi parce que monsieur va libéraliser l'économie. Bon, pas qu'être entreprise, je vais nationaliser, monsieur va dénationaliser. Monsieur, même pas les causer comment la retirer quelque. Quand on a dit ça, boulot d'étranglement général dans l'économie, qui donc dit que ça bon pour nous, qui gagne comme là. Et nous, qui gagne comme là, c'est chaque jour le voter. Moi-même, avant Sergi, nous avons veillé 4 ans, 5 ans pour nous voter. Mais nous qui comme là, c'est chaque jour le voter. C'est 10 millions de dollars gagnés sous Boussla dans Sao Paulo. C'est 20 millions de dollars gagnés en Amazonie. C'est 30 millions de dollars gagnés dans investissement en offshore, dans la baie de Rio de Janeiro. Ça veut dire que nous ne pas les paroles vote ou voter chaque 4 ans. Mais nous même pas chaque petit vote, c'est 10, 15, 20 millions liés. En fait. Et ça fait, les Bolsonaro ne parlent pas aux environnements. Nous, même à l'extérieur, nous, pratiquement, et nous retenons souffle nous. Parce que monsieur n'était pas allé poser pour le sortir d'un accord sur le climat. Accord sur le climat, son accord, bon, moi-même, j'ai dit presque 21 minutes là-dedans. Et nous tous connaissons, il n'y aura pas de limitation du réchauffement climatique à 1 degré, à 1,5 degré, sans l'Amazonie. L'Amazonie, c'est le poumon du monde. Monsieur, même tellement allé loin, monsieur dit, bah, yo, le ministère de l'Environnement, retirer ça. N'a pas tout collé ça avec le ministère de l'Agriculture. Ça nous a donné des sueurs froides. Parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir
atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris sur le climat. Sans l'Amazonie, l'Amazonie c'est le poumon, c'est poumon vert planète la guerre. C'est plus gros forêt tropicale que nous gagnons sous la terre. Et de toute façon, parmi les gens qui ont soutenu Bolsonaro, bon paquet nèg c'est l'Amazonie, on fait comme qui ça comment nèg la fait comme là passer couper pied bois pour planter soja. Donc si pied bois coupé, pas gain côté pour l'absorber gaz carbonique qui a dégagé. Parfait. Est-ce que toi élite Brésil, yo pas planifié pour arriver là aujourd'hui avec l'élection monsieur Bolsonaro, là on connaît ça crivé Lula, même si après monde tout dit mais on est qui te fait tout ça le capable aussi tout monde dans pauvreté et puis c'est ça joindre comme récompense. Est-ce que va ton planification, on d'a dit on veut étape complot comme complot vieux puis faut passer mon gars. Bon, on utilise le mot complot, c'est pas moi qui le dis, mais pour le cas de Lula, il faut être honnête et clair, Lula a été condamné sans preuve. Et en général, dans les démocraties, on ne condamne pas les gens sans preuve. Évidemment, le procureur était contre Lula, Lula est allé devant un juge qui n'aimait pas sa tête, et Lula a été condamné dans ce qu'on peut appeler un procès politique. Le mot est lâché, Lula a été condamné sans preuve, donc le procès est politique. Est-ce que l'élite économique n'était pas pour Lula? Probablement l'élite économique n'a pas rien, mais pour grande partie travailleur là. Et on ne peut pas raconter ça dans mon nègre. On est qui vient comme l'idée, on ne peut pas dire pour le mon nègre qui va faire le bien. Moi je ne suis pas brésilien, je ne vote pas. Mais nègre qui gagne 20 millions de dollars, 30 millions de dollars, 40 millions de dollars, les réels là commencent à prendre pour le bas côté là, côté le pape gade. Parole bol sa famille, Lula te kon pali, te kon disi l'équipe qui pauvre dans la favela, mais nèg 1% de 47% richesse pays, nan même parole ça va triver sur lui. Et nèg ça tout est besoin, ou libéralisons un paquet de secteurs dans l'économie, li pas mi parti travailleur là. Évidemment, c'est de bonne guerre. Mais le parti des travailleurs également a commis des noms, et en plus, yon gombala yon oublié fait. Yon oublié fait mea culpa yon. Très souvent, en politique, faut apprendre à faire mea culpa. Ouais, dans toute la presse nationale, il y a parlé de 14 années au pouvoir de Parti Travailleur là. Mais trois dernières années, il n'y a pas de Parti Travailleur là. Puisque vous êtes impeach président Dilma Rousseff. Donc il faut parler. Si vous ne parlez pas, n'importe ça ou la gué sous dos, kembe. Dans cause vol, il n'y a pas de cause corruption. Moi-même, je lâche l'homme, je dis ça, c'est sport préféré des politiciens brésiliens. Car dans le Parlement brésilien, tout le monde a 6 ans au cas où fèvre, tout le monde a 3 mois en plaque à la caillou. Et le Parti des Travailleurs seulement qui est volé. Mais les gens n'ont pas gardé l'ouest, sont anciens présidents du Parti Travail, même si nous le condamné sans preuve, mais qui n'ont prison. Évidemment, il n'y a pas de dirigeants de l'autre parti, sénateurs, députés qui ont prison tout. Donc il ne faut pas aller avec Mounio. Parce que tout le monde croit que Mounio caché des luttes contre la corruption hein, pour capable de dire pas d'accord avec la qualité du programme social que Mounio pour Lula a fait promotion dans le pouvoir. Lula avait une chance, comme il crédit à tout. Évidemment, Lula, c'est pratiquement un monde qui prend pouvoir au Brésil, c'est un monde qui monte moins ce qu'on lien. Mais tant moi ce qu'on lit en tout, c'est ton gros tonton visionnaire. Et en plus, les réformes des années 90 et du début des années 2000 ont profité à Lula. T'as comme tu dis, c'est même bagaille la crivée Angela Merkel en Allemagne. Gérard Schröder négocie avec IG Metall dans l'industrie. Gérard Schröder fait un paquet de réformes économiques. Madame Merkel moutait, les jeunes montaient, les jeunes jeunes montaient, elles donnaient. Eh bien, Lula, tout est jeune monté. Fernando Collor de Mayor, qui font un paquet de réformes économiques. Et m'a parlé là de yon nan pi brillant sans doute, yon nan pi brillant économiste brésilien que nous connaissons. Fernando Henrique Cardoso, qui était président, tout le monde fait un paquet de réformes économiques. Les Lula monté, Brésil, m'dis nous, c'est un gros pays, 8 514 000 km², donc c'est 5e puissance territoriale sous la terre. L'autre groupe qui sont une possibilité, ou une possibilité pour grand pile terre, sous grand pile terre, ou grand pile ressources. Les sa matière première, 20 bon prix. Dans même cause Lula là, tout, yon vient de plus pétrole. Dans le bédé, yon a un paquet de côté au Brésil, yon pétrole. Petrobras, ça prend même. Soja commence à vendre pour prix. Il a exploité toutes ressources ça et gon paquet de minerais au Brésil. Brésil m'a parlé de cuivre, m'a parlé de cobalt, m'a parlé de caoutchouc au fait qui donc toute matière première ça vend prix. Lula vient de monter et ça vient permettre Lula gain cobre dans main pour appliquer programme sociaux que le devait appliquer. Donc c'est tout à son honneur. Mais les Lula vient aller dans l'époque madame Dilma Rousseff vient prendre pouvoir, madame Dilma Rousseff pas jeune monter ça et madame Dilma Rousseff n'a pas les qualités de Lula. Nous sommes dit jodi à Lula si on en est qui peut pas connu lui. Mais tant pis pas qu'on lui si on est quitté plus formé tout le système brésilien. Parce que la constitution de 88 est faite d'une telle manière qu'aucun parti au Brésil ne peut devenir majoritaire. Si tu ne peux pas devenir majoritaire dans les deux chambres, donc il n'y a aucune chance que tu puisses gouverner sans alliance. Eh bien, Lula était un ancien syndicaliste. Je voulais que les gens comprennent les mêmes syndicalistes. Comment les syndicalistes qui ont qualité? On dit que les syndicalistes, ils connaissent comment pour négocier. Les syndicalistes qui ont chita, ils ne parlent pas patronat, ils ne parlent pas ouvrier. Et bien, Lula, c'est ce qui est fait pour le système. Mais ça fait Lula, pas jamais de problème. Et puis, j'ai demandé, j'ai mangé Mme Dilma Rousseff. Parce que Mme Dilma Rousseff, son ancienne guérilla,
L'homme qui a guéri à ses âmes, il connaît. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Il n'y a pas comment pour négocier. Et bien, il n'y a pas comment pour négocier. Diable, manjou. Et madame Dilma Rousseff, tout à son honneur également, puisque lui-même, il a destitué le tout dans une opération Champouel, nous n'avons pas dit ici. Madame Dilma Rousseff, sous lui-même, c'est laissé qu'enquête judiciaire va le démarrer. Député va le commencer en bas, côte député va l'inquiéter. C'est pratiquement une vengeance, il y aurait ça vendetta. C'est un vendetta au linge, il y a la guerre dans le corps, madame Dilma Rousseff. Puis il dit, mon cher, il fait madame Rousseff payer. Ça le fait, parce qu'on est la justice démarrée, il est difficile pour faire le camper. Politicien brésilien, il y a toute immunité possible, la justice va arriver sous vous. Sous madame Rousseff, la justice arrive sous vous, et bien vous dites, il fait madame dans le pays. Madame, non, son madame, il destitué. Pratiquement, non, les a destitué. Là, pas aucun monde qui vient mettre une accusation. Ça oppose madame qui s'allie. Il reproche madame comme quoi madame Dilma Rousseff avait maquillé les comptes publics. Moi, je suis politique brésilienne depuis Fernando Collor de Mayol, depuis Collor Gates. C'est pareil, tout le monde qui au Brésil fait. Les bas, elle arrive 8, il y a 8,05, mais il y a 8,05, mais il y a tout arrivé 9. C'est pour ça que tout le monde fait. Il fait le même genre. Et bien, c'est pour ça qu'il a destitué madame. Non. Ce qu'il a fait, c'était pas normal. Mais est-ce qu'il a été destitué aucun monde en vente pour ça? Non. C'est ça. Alors là, maintenant, Bolsonaro arrive et pour me dire ce que monsieur dit, il va défendre la constitution, il va défendre la liberté, il va défendre la démocratie. Il est comme ça, à quoi Fernando estime, monsieur veut démarquer le discours campalien. Il est en train de donner des gages parce que l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Il a maintenant, il est au pouvoir, il va devoir diriger. Il va devoir diriger. C'était un petit parti qui l'a amené au pouvoir. C'était pas un très très grand parti. Donc, il va falloir composer. Composer avec d'autres forces politiques qui sont un peu plus à, alors qui sont un peu moins à droite que lui, de l'échiquier. Et il faut également diriger. Le Brésil, je parle là de la 7e puissance économique du monde. Le Brésil fait partie du club des pays émergents. Ce qu'a appelé le club des BRICS. BRICS qui réunit Brésil, Russia, India, China, South Africa. Donc le Brésil, c'est un pays sur lequel le monde compte et c'est un pays qui comptera. Parce que le Brésil a ce qu'on peut appeler dans les relations internationales, ce qu'on appelle les attributs d'une superpuissance. Nous disons que c'est la 5e puissance territoriale qui vient sous la terre, 5e puissance démographique avec 206 millions d'habitants. Territorial là, c'est 8 514 000 km². C'est la 7e puissance économique du monde avec un PIB de plus de 2300 milliards de dollars américains. Le Brésil qui vient Amazonie là dedans qui c'est pratiquement pas et qui permet nous vivre sous la terre parce qu'il est capable de nous respirer. Le Brésil qui possède de grands groupes. M'a parlé là de Petrobras, m'a parlé là de Odebrecht. Odebrecht qui est un grand groupe du BTP qui a pratiquement mis l'Amérique latine dans de beaux draps. Je dis à Guinée qui est au pouvoir au Pérou, Honduras, Colombie, Panama, en République Dominicaine, Bolakay. Nous, dans le scandale Odebrecht, qui est au Brésil, sont un gros tout ton pays. C'est la deuxième armée du continent et c'est la 20e armée au monde. Qui donc sont gros dans ton pays. C'est un pays qui était candidat pour un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. D'ailleurs, l'affaire est mal partie, mais l'affaire est encore en cours, car l'Argentine a pratiquement 1000 bâtons dans les routes des Brésiliens pour le poste du bloc sud-américain. Mais c'est un gros dans ton pays avec lequel que nous devons compter. Et donc, on vient de pouvoir, ça pile masse l'argent, ça, il faut bailler des garanties. Au Baragon 10, couchant pour le roi, bailler toute journée pour ses slogans. Slogan gagne en campagne, mais slogan pas dirigé. Mais il promet de changer le destin du Brésil. Et moi, je demande à voir. Je n'ai pas signé pour, mais moi je ne suis pas brésilien. Je n'ai pas signé pour, je demande à voir, même si je doute. Parce que lui, il n'a fait pas de programme. Et en général, les discours ne dirigent rien du tout. Vous avez un beau discours, vous avez des sous-pouvoirs sur l'autre réalité. Parce que mettez l'autre dans la favela, favela pas de route pour machine ou entrer, toujours pas de route pour machine ou entrer. Mais là, M. Walbez, je t'ai bien fait alliance. Mais là, nous connaissons, c'est ton député, bilan, c'est très maigre. Oui, député. Il était inconnu, il faut le dire, c'était un inconnu. Mais là, qui s'est le comme stratégie pour arriver à convaincre de l'autre groupe pour dire Javel? Plus facile. Oh, le pouvoir est un objet convaincant. Non, mais attention, M. Walbez, il va le mettre à contre corruption. Et aussi, dit tout à l'heure, dans le Parlement brésilien. Ça, c'est ce qui se dit. Ah, okay. C'est ce qui se dit. Le pouvoir, c'est quelque chose de très, très convaincant, surtout au Brésil. Bon, bah, il y aurait les fois tout le monde manger. Et là, du boucher, c'est politique qui fait, c'est là pour le vivre. Et d'ailleurs, il faut remarquer, le Parti des Travailleurs a perdu ses élections pour une autre raison également. Les gens n'ont pas aidé. Les gens qui étaient les alliés naturels du Parti des Travailleurs ne l'ont pas aidé. Moun qui finit numéro 3, il est parti là en vacances. C'est-à-dire, il va finir mouiller chemise pour le faire campagne pour Fernando Haddad. Je vous parlais tout à l'heure du président Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso n'a pas donné de consigne de vote. Et Fernando Henrique Cardoso est pratiquement dans le même camp politique
que le Parti des Travailleurs, mais le gond d'un contre lui, parce qu'il songe, les bras de prennent un moulin, Parti Travail a battu pas les boulis. Et Parti Travail a été un discours qui était pinine. On est là sous pouvoir. Il y a là toute journée, il a parlé mal dans la radio. Il met 20 ans pour songer, ça a été dit sous petit tout. Eh bien, ces gens-là n'ont pas les soutenir le Parti des Travailleurs parce que vous dites, le Brésil n'a pas de monde qui a dirigé pour quoi. N'a pas lavé, mais nous, le monde qui gagne n'a pas lavé. Je vous dis, c'est Jair Bolsonaro qui a dirigé à Brasilia. Brasilia, la capitale politique du pays. L'élite économique qui est à la capitale économique, Sao Paulo, a parlé pour Jair Bolsonaro. Et bien, nous avons deux personnes qui ont dit, n'a pas eu Guedes, n'a pas eu Bolsonaro pour dire nous ça a dit nous. Et de toute façon, tout le monde connaît son seul bail qui fait chien danser. Mais nous ne sommes pas des chiens, non? Mais nous aimons danser aussi. Sans comprendre de Fernando Haddad qui va féliciter monsieur, même s'il a col perdu, et qui va demander pour protéger 45 millions d'électeurs qui votent. Campaïla, t'es trop laid. Il y a un petit vent difficile pour faire couper 300 degrés, oui. Parce que Bolsonaro est dérapé, vrai. Il y a des paroles qui répétaient que je ne peux pas permettre de dire dans la télévision. Donc c'était vraiment, ça n'a pas arrivé dans l'armée américaine, non, nasty campaign. Et dans le dernier jour, Bolsonaro, avec l'élite économique qui appuie là, fait des zones. Et bien, ça va avoir des conséquences de tout. Il y a des gens qui prennent prison. Pour eux, ils sont très simples. Où ça a fait? Il y a 5 dans 6 compagnies au Brésil qui contrôlent le secteur communication, secteur téléphone, vos messages de téléphone. Moun. Bon message que nous utilisons, puis ici, les WhatsApp. Eh bien, au Brésil, c'est pratiquement moyen de communication que nous plus utilisé. Eh bien, ils ont commencé à faire ça au relais. Des messages, mais messages, je vais assurer aussi, au vrai, si vous ne pouvez pas vous intéresser. Pour vous diaboliser le Parti Travailleur, il y a voué plusieurs millions d'électeurs. Et c'est menti, vous avez un message là. D'ailleurs, le comité qui a organisé l'élection, tu es menacé, moun aïe Bolsonaro, pour camper dans le bagage. Évidemment, il y a des gens qui ont marié quand même. Donc, quand elle est arrivée dans un niveau, violence telle, d'ailleurs, je ne parle pas, un candidat à Bolsonaro prend un coup de couteau. Gros bonsoir pour nous tous qui branchez télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans Actu en bref. Dans l'actualité, il y a un plaisir de travail aménagement qui a fait dans la commune Belade dans 4 caravanes changement. Avec travail ça, il y a un plaisir de kilomètres de route qui a asphalté dans diverses rues dans la commune. Dans l'occasion célébration 70e anniversaire ville Belade. L'autre dossier, Yvon Bonhomme prend fonction vendredi 26 octobre là comme nouveau directeur général ministère haïtien qui a vécu dans pays étranger. Cérémonie installation déroulée en présence plusieurs personnalités à quelques cadres dans le ministère. L'autre nouvelle, mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, MINUSJUST, en collaboration avec ministère justice et sécurité publique, organiser des jours ateliers pour 16 inspecteurs qui trouvent yo dans service inspection à contrôle greffe et paquet et puis service inspection judiciaire. Ministère. Atelier ça a visé renforcer capacité d'inspection judiciaire dans MGSP à travers paquet à grève 18 juridictions première instance. Responsable à soin ayo yo nouvelle plateforme soins santé numérique dans pays a lancé vendredi 26 octobre là yon enquête sous question soins santé à distance. Enquête ça cap durer 3 mois doit permettre responsable à soin ayo prendre commentaire proposition citoyen yo sous plus bon façon yo cap permettre population bénéficier soins santé à distance à pipiti l'argent. Pour finir, dans le pays Brésil, Jair Bolsonaro élu avec 55% voyou dimanche 28 octobre 2018. Là, partisans Jair Bolsonaro ont déclaré qu'ils sont fatigués avec violence criminelle et puis affaires corruption politiciens. Après Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula, scandale Petrobras, ils voulaient finir avec le parti travail qui était sous pouvoir depuis 10 l'année. Candidat qui était en face Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, fait bon côté 45%. Suite à l'élection, ça, pays Brésil sous tension, côté partisan de Kanyo, pas suspend attaquer l'autre dans la rue Sao Paulo pour empile femme, élection yon garçon qui pas traité fi bien, autorité catholique, ennemi juré, avotement, c'est créer plus problème. Et c'est sur notre ça, nous mettons un bout dans la première sortie action. Bref, nous pour semaine ça, nous remercions pour attention et fidélité. Restez branchés pour reste programmation. Bye bye tout le monde. Parti travail avec candidat Lio Fizier. Donc je parle au problème du physique, donc il mourit. Qui donc, quand par là, tu es très très laid. Et de toute façon, ces deux-là ne sont pas faits pour se réconcilier. Mais avec le discours qui paraît aussi genre rassembleur que Bolsonaro fait hier soir là, est-ce que ça c'est capable... pour la consommation internationale. Est-ce que ça est capable de... apaiser les tensions? Non. Il y a deux Brésils irréconciliables. Ah bon? Il y a deux Brésils irréconciliables. Il faut comprendre la situation.
moun qui appuyé parti travailleur yo yo organisé deuxième manifestation qui jamais fait dans pays Brésil pour dire non ou pas venir candidat ça m'a parlé là de Bolsonaro et Lenao surtout pas lui yo met ba ou n'importe moun yo met ba ou Satan le diable baba ou Bolsonaro qui donc nèg qui compte Bolsonaro ali compte jusqu'à la mort nèg qui compte parti travailleur compte jusqu'à la mort. Donc c'est irréconciliable. Bah tout tivis. Eh bien, juste, c'est pas le gars sans la donne. Donc c'est tout tivis. Nous avons candidat à la présidence pour un coup de couteau. Candidat à la députée officier. Qui, donc c'est pas tout tivis. C'est très bien parlé, mon cher. C'est en français que tu parles là maintenant. On est qui va l'embattel, bah dans tout tivis. Même si c'est perdu, il perd tivis la net. Qui, donc, mais situation qui est au Brésil là. Maintenant, là, je dis, et Bolsonaro, c'est lui-même qui va le diriger. Défi en pile pour Biché. Son pays, je dis, qui est en pile pauvreté. Son pays, côté gang, il va faire pile parler de eux. Malgré que Temer, tu essaies de prendre des mesures d'austérité, mais il va arriver à terrer. Non, mais Temer, lui, il était impopulaire. Temer est arrivé au pouvoir dans un quasi coup d'État avec 2% d'opinion favorable. Avec 2% d'opinion favorable, tu ne peux même pas déplacer une rue. Temer, même non, il va te cacher. Avec 2% d'opinion favorable, tu ne peux même pas déplacer le nom d'une rue. Si vous atterrez les fédérales de l'estime, vous ne pouvez pas mettre l'autre nom sous, vous ne pouvez pas mettre le son d'anglade, vous ne pouvez pas mettre le fait comme ça. Parce que vous n'avez pas de légitimité du tout. Vous n'avez pas de légitimité, vous n'avez pas de popularité et en pile, vous doutez de l'égalité comme vous est sous pouvoir. Donc tu ne peux pas bouger. Et le Brésil était en récession. Car ce que le Brésil attendait des grands événements mondiaux qu'on connaissait, c'est la Coupe du Monde 2014 a donné les CVNO placés dans le Brésil. Le Brésil était en pile d'arrêt la donne. Rio de Janeiro Rio pour Jeux Olympiques, la Brésil a pris un pile de là-dedans, mais on est. J'en fait l'annonce à Tresson, mais ça fait la fête. Résultat ou pas là. Le Brésil était entré en récession économique. D'ailleurs, le Brésil avait le potentiel pour devenir 6e puissance économique du monde, mais le Brésil est encore 7e et c'est beaucoup plus proche du 8e que du 7e réellement. Et je voulais même dire le 8e. Qui donc, de fait, Brésil obligé bouger colis. Pour le bouger colis, il faut le réformer. Il faut faire réforme. Il faut aller chercher des points de croissance. Point de croissance, yo, très souvent, dès qu'il fait politique, là, c'est côté pizzi, alors, le chercher. Et ça qui fait m'dou, en Occident, gros paquet de monde qui peut. Pas écouté qui dit pour ne pas faire là, c'est couper pied bois en Amazonie pour le planter, oui. Oui, mais c'est ça qui dit là, chercher faire. C'est une mauvaise nouvelle, oui. Oui, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde. Mais c'est ça qui pizzi. Ça qui pizzi à tout, c'est garder comment ou qu'à refaire réforme dans le système de travail qui est au Brésil, là. Et réforme système de travail, ça veut dire que ça, bah, nest qui gagne en plus liberté, nest qui pas gagne en lui-même qui travaille comme ouvrier, vous prenez. C'est sous loi retirée. C'est ça qui est facile à faire, très souvent. Et quand tu as Guedes dans ton dos, qui est un Chicago Boys, les recettes qui vont être appliquées sont les recettes du FMI, pas du FMI de Christine Lagarde, non, du FMI des années 80. Je parle de l'école américaine des Chicago Boys. Donc c'est vraiment remettre choix qui va l'appliquer et remettre choix qui va l'appliquer dans le pays. Côté monde commence à descendre dans la rue, faire manifestation contre tout. Moi, je ne vois pas comment il va pouvoir diriger correctement. Je prie Dieu pour les Brésiliens. Je lui souhaite bonne chance, mais moi, je ne suis pas Brésilien, je n'ai pas voté. Très souvent, il y a des gens qui votent. Après 2-3 heures, on regrette votre là. On dit, mon chef, on t'a coupé, doit être là. Président Donald Trump, déjà félicité, monsieur. D'ailleurs, même si nous, monsieur, le trop tropical, le trop brésilien. Eh bien, ces deux-là sont faits pour être de très bons amis. Pourquoi? Ah bon? Eh bien, regarde. Trop pas voulu ouais, accrocher le climat, monsieur, qui est en parole, accrocher le climat. Non seulement l'envie saute là, dans le boulevard, il jeté. Monsieur dit même tout. Parole ministre de l'environnement, pas dans la nécessité. Trop fait même bagarre là aux États-Unis, oui. Dans l'IPIA, je vais révoquer tout le monde qui a un rapport scientifique. Il met des politiciens. Tout le monde qui a un discours scientifique, qui a dit réchauffement climatique, qui va faire nous mal vivre sous la terre, par l'augmentation, on prend le niveau, là, mais, bah, ça, on comprend, trop pas envie d'en dire, et Bolsonaro pas envie d'en dire non plus. Donc, ils sont faits pour être deux très bons amis. Question extrême doit être là, ou bien l'impression de la montée en force, surtout dans la région, ça qui passe. La gauche a commis des erreurs. Là, et il y a ce qu'on appelle également l'usure du pouvoir. Lorsque pouvoir, tout ça qui fait mal, c'est sous lié. Tout ça qui fait bien, c'est sous. Ma prends cet exemple. Lorsque pouvoir, là, pays à champion du monde, la positif fou. Ou pas soutenir, ou pas contre le football, ou pas contre pied gauche ou pied droit. Jacques Chirac, pas contre pied gauche ni pied droit. Jacques Chirac, pas de fanatique football. Mais il dit, le monsieur qu'on appelle Zidane, là, lui, il est très utile, hein. Monsieur Corélé Zidane, bah, il y a presque 11 à 13% d'opinion favorable en plus. Sans dire, il faut pas débattre souterrain, mais il bénéficie. Très souvent, c'est évidemment Macron, c'est un peu plus dur, Macron n'a pas bénéficié de Mbappé. Ce Mbappé-là n'a rien apporté à monsieur Emmanuel Macron. Mais Zidane avait apporté quelque chose à la maison pour Jacques Chirac. Et bien, très souvent, c'est qu'on s'allie dans la politique. Là. Jair Bolsonaro, c'est un candidat non traditionnel. Et il fait erreur, même erreur, il fait à trompe-l'œil.
yo pas prendre au sérieux. Les peuples en colère, c'est pi mauvais bagaille pour faire pour pas prendre au sérieux. Peuple a dit retenez-moi ou je fais un malheur. Ou pas chercher qu'un bel pour adoucir, l'a fait mal à vrai. Elle met une douce tirer, l'a tiré dans pied ou bien dans tête, l'a fait. Sous pas qu'elle m'a tué tête, moi, oui. Eh bien, peuple brésilien fait même chose à peuple américain. Yo ba yon bad candidate, ou vraiment un mauvais candidat à Hillary Clinton. Hillary Clinton, c'est le plus mauvais candidat démocratique à Kabaye, puisque Hillary Clinton traîne trop de casseroles, et là, la face trop. Et en plus, Moon Clinton, yo quoi yon a gagné l'élection? Parce que yon gagne plus cop passé trop. Si tout sondage dit yon gagne, yon quoi yon a gagné? Tout les médias avec yon? Non! Relativement, puisque trop te gagne plus gros médias avec, par Fox News, c'est le même qui gagne plus gros écoute aux États-Unis, dans les ratings, dans les médias. Bon, dans la période ça? Oui. Parce que moi, si yon a le débat, oui. Donc, de fait, Donald Trump lui-même gagne l'élection parce que le peuple a fait relais. Nèg qui nan Midwest, nèg qui nan sud États-Unis, nèg la di mouche, Bay Clinton nan bavel moukavel, m'sot pre bouche yo deux fois, m'pre Clinton yo deux fois, m'pre demanda Clinton, m'ya pou tout non l'autre Clinton nan comment quoi, c'est nan comme yon mède apan mède. Et puis discours madame nan discours à trois poli, discours politiquement correct, maison moun ki di mais quatre vérités. Et bien Bolsonaro son est cap di les quatre vérités, yo pas te prendre au sérieux, l'elvin pre coup de couteau, automatiquement commence à monter dans son agile tout devant, pas gen moun ka jeune ni encore, elvin bon l'autre avantage. Prophète, pasteur, paix, vous prenez coupé, vous prenez des cabayes, vous dites menti, vous n'êtes pas ça, dit. Pas la gueule comme ça. Non, mon cher. Pas la gueule comme ça. Oh, prophète, vous avez un petit bail, vous faites un petit bail, pas de nous. Mais ici, papa, pas les petits causés pour nous prendre des pinèges, nous, mais vous avez un petit bail, pas de vagabond pour faire des zones, tout, non? Parce que vous avez des missions ici, vous avez un contrat. Oui, mais. Vous avez une mission brésilienne? Non, mais. Je ne peux pas le continuer. Pasteur, au Brésil, mon cher, vous avez un bon cap servi l'éternel, là, mais mon cher, vous avez un bon menti, vous avez un bon menti. Vous avez un bon menti, 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 oui. Qui a venu la communauté haïtienne avec Rivé et Bolsonaro? Compliqué. Parce que le Brésil, si on est un pays qui accueille, c'est le temps pour haïtiens, il faut pays où il y a une résidence plus facile. Si vous arrivez au Brésil, là, zamam, ou soit un mois et demi là, ou du mon cher, femme ta goutte résidence brésilienne. Y'a baoul. Y'a baoul. Moi, je suis entré. Moi, je suis entré. Nous, on est passé dans l'Amazonie en bas fil ou t'es arrivé sur un avion. Quand on arrive, en même, ou sous résidence, ou bien c'est résidence brésilienne. Non, on doit bien mon fil pour vous. Y'a baoul. Et je pense qu'il va nous faire. Est-ce que Bolsonaro, il doit faire calcul que l'entreprise qui patronne, il a besoin de ça, je ne sais pas. Si c'est calcul, ça l'a fait, puisque intérêt économique est très puissant. Et là, je parle par exemple non ville, comme Manaus. Manaus qui gagne un paquet de zones franches. Zones franches qui produit à des prix très très bas, des prix compétitifs, un paquet de matériel. Il y a 20 puis au produit à prix compétitif, ça y est, on a pris au gain. Pour les bagages, il y a un gros mètre de va pour marcher, je ne vais pas payer du tout. Et mètre de ça qui m'a dit, c'est immigrant vénézuélien, immigrant haïtien, le gars doit faire calcul là comme ça. Même penser qu'il est capable de faire. Évidemment, il y a toujours besoin de monde, même pas qu'il y a facile pour une résidence là, j'en ai. Et discours, monsieur a gagné des îles de racisme, tout court, la donne, qui donc haïtien, pour la majorité là, c'est noir, qui donc, dans le camp Bolsonaro, il y a un certain traîné, mais comme dit le Brésil, monsieur a voulu mettre le blanc dans du vin pour un réseau très simple, parce qu'il doit falloir, il va falloir gouverner maintenant, et il faut gouverner avec une alliance, car au Parlement, personne n'est majorité, il va falloir voir tout le monde. Et mon bras le roi, il y a mon chef, on met ton petit blou dans le divan. Et d'ailleurs, tout le monde a ça, négocier, avancer poste pour tête. Évidemment, les cap qui prend poste, pour prendre poste, si on va en prison, puisque Gampil n'est pas obligé de continuer à prendre prison toujours à cause du scandale corruption, cap franquette, Kounia, toujours, lavage à pression, opération lavage à pression, cap continue. Donc, Gampil n'est qui commence à prendre code, cap prend code, mais n'est qui pas prendre code, il a besoin de chef. Même si le corruption, en plus, le monde quoi son prétexte. Les observateurs qui ont analysé la réalité. Bon, je ne sais pas dire le prétexte réellement. Parce que notre bail qui est d'elle, qui va dire. Évidemment, pour Lula. Évidemment, pour Lula, c'est une opération, c'est une véritable cabale qu'on a lancée contre Lula. Pour Mme Dilma Rousseff, il a été destitué dans ce qu'on peut appeler un procès politique. Mais de toute manière, de vous parler de impeachment, n'importe quoi, il y a le politique aux États-Unis. C'est congrès qui met en accusation pour le Sénat, c'est politique lié, oui. Et tant qu'on fait blague là, ne cap faire politique là, ne parle de politique là, c'est la donne boule vive. Qui donc Bolsonaro va l'obliger à gouverner, même si je ne suis pas fini, trop bien comment va le gouverner là. Mais la publique gouverne pour le bail résultat. Et résultat, il y a tant de très vite. Il y a ce qu'on appelle les lendemains des enchanteurs. Je souhaite ça pour le pays Brésil. Mais le pays Brésil a un objectif pour le plus gros puissance qui vient sous la terre.
pour plus gros puissance sous la terre, il faut travailler, il faut continuer de travailler, il ne faut pas dormir. Qui donc Bolsonaro, dans la logique, pas dormir. Même si c'est difficile pour nous rentrer au Brésil, j'en t'ai essayé de garder le talent. Mais... Alors, pas nous-mêmes, non pas n'importe qui. On n'a pas parlé pour migrants et pour les jeunes résidents. C'est ça. C'est facile. Les résidents au Brésil sont des jeunes faciles, faciles. Parfait. Maintenant, les gens qui sont déjà là, ils sont déjà là, qui travaillent, est-ce qu'ils doivent inquiéter, je dis, avec le Brésil? Ils ne sont pas obligés d'inquiéter comme si pour son personnel. Si vous finissez résident, ils ne sont pas expulsés. Ils ne sont pas va se lancer dans ça. Évidemment, le problème de gain sous contre lui, là, ça va le premier objectif. Donc, je ne crois que les gens qui sont déjà là sont obligés d'inquiéter. Parce que M. Dottier, voulez-vous que ce job, c'est Brésilien qui fait job Brésilien? Oui, mais Brésilien, tout gagne des jobs haïtiens, ils ne prennent pas prendre. Parce que job cap fait 20 real, 15 real, 8 real là. Il faut prendre des monnaies très très. Monnaie pas tellement de vous en pile cob. Qui donc, Brésilien n'a pas besoin très souvent. Ça veut dire job qui est difficile, les cousins. Job taillé, sojana, amazonien. Brésilien n'a pas tellement de remède passer ça, non? Tout le temps, via le Chita, Copacabana. Non belle plage à Potonti ve aller ou bien chita no hôtel Copacabana ou bien chita Sao Paulo non m'pa konnen sa lié a fon bon ti recevoir appel pour transmettre appel tout nèg tan viti bay sa yo mais job sale là papa job bourri la gen nèg ki ba remen et ayisyen pa eto problème pou vèsi bon mais même mes amis bon c'est dèl yo vini c'est là vous vinn chercher la vie papa ou vinn garder ou vinn bon ti lèt bœuf ou pa vinn garder combien bœuf ki gen nan patirage là c'est comme ça yo di la tibonite la caïman des milliers de brésiliens fêtaient hier soir Copacabana voilà. Et ben gen des milliers de brésiliens tout crié hier soir. Et c'est ce que j'appelle un pays extrêmement divisé. Et les deux camps ne sont pas faits pour se réconcilier. Les deux camps ne sont pas faits pour se réconcilier. Donc Bolsonaro était bien fait hier soir. Il était allé vers l'autre camp pour le faire ouverture. Même si l'autre camp passe ou parole, tant des paroles, Bolsonaro a dit tout. Parce que héros est en prison toujours. Luis Ignacio Lula da Silva a pourri en prison là pour un bon petit temps. Ça a dit même là, il est sous colère. Et colère a été un bon semaine ça. Et demain, colère a son l'autre bol gaye. N'attendez résultat, n'attendez Bolsonaro à l'œuvre là. Eh bien, il faut attendre, il n'est que d'attendre de voir Jair Bolsonaro, puisque M. Poubet en pile. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il y a qui finit de voter, qu'on y a au fin de voter, obtenez résultat à vote. Bon, les Venezuela, t'es mon rapport à Brésil, vous pensez que M. Pral. Alors, mon rapport à Brésil, c'était sous pouvoir parti travail. Mais depuis Michel Temer, là, c'est vraiment l'état citron, puisque Michel Temer t'es entré dans sa les groupes de Lima, groupe de Lima qui réunit un certain nombre de pays dans la zone, nan, qui t'a demandé pratiquement régime change, changement de régime au Venezuela, qui toujours condamné agissement régime Nicolas Maduro, qui donc c'est pratiquement même politique qui va continuer avec on est dans quoi Bolsonaro qui sortit lui-même dans l'extrême droite, qui donc il n'a rien comme affinité avec Venezuela. Et de toute façon, il faut être honnête, l'exemple actuel du Venezuela. Du Venezuela n'est sûrement pas l'exemple à suivre avec taux d'inflation Venezuela gagné. Je ne souhaite aucun pays arriver dans le niveau ça. Vous savez étonné si Nicolas Maduro félicite Bolsonaro? Bon, c'est comment dire, c'est être bien élevé. Quelqu'un a gagné dans une élection, ou qu'a dit sauver, mais une élection démocratique, on peut toujours féliciter et essayer d'arrondir les angles. Parce que de toute manière, entre Venezuela et Brésil, il va falloir qu'on se parle. Parce que le Venezuela a une frontière pratiquement avec le Brésil, donc il faut Brésil parler avec elle. Par exemple, pas les causer, ZAM. Il y a un paquet de ZAM qui passe au Venezuela. Donc, il faut avec des mounou Venezuela pour garder ce qu'il y a dans ces frontières. Évidemment, Maduro a d'autres chats fouettés qui veulent les frontières avec le Brésil. Donc, il faut se parler. Et c'est toujours mieux de se parler, même avec des ennemis. Il faut aller vers l'autre. C'est toujours mieux de se parler. On est en relation internationale, on est en diplomatie. Et même entre ennemis, même entre adversaires, on peut se témoigner du respect, comme disait le bon Rapiram lors de la guerre de Troie. Nous allons refermer l'émission. Avenir Parti Travailleur là, je dis après l'élection Bolsonaro. C'est l'un des plus importants partis au Brésil. Je crois que ce parti peut se relever d'ailleurs. Il parle au combien de voter sous libre. Tout le monde a voté pour lui. Donc c'est l'un des plus importants partis du Brésil. Et de toute manière, le Parti des Travailleurs a un certain nombre de sièges, que ce soit au niveau fédéral ou bien au niveau des États. N'oublions pas que le Brésil est un État fédéral. Le nom officiel du pays, pour les gens qui nous écoutent là maintenant, c'est la République, alors República Federativa do Brasil, donc la République Fédérative du Brésil. Donc il y a 26 États, les gens qui gardent des drapeaux au Brésil après ordre et progressoire. En bas, on a 26 étoiles qui sont 26 États et en lien après capitale, la Brasilia, qui est district fédéral là. Et bien 26 États, ça où chaque gouverneur là, d'ailleurs, c'est gouverneur qui a dirigé nos paquets de domaines. Qui donc, Parti Travailleur, un paquet d'autorités locales que le contrôle. Et chaque État, ça va parler avec le propre Parlement, qui donc un paquet de députés au niveau État, même j'en ai le fait aux États-Unis, dans la République fédérale qui est aux États-Unis, tout ce qui est aux États-Unis, son fédération, lié tout. Qui donc,
parti travailleur gon paquet manœuvre nan men gon paquet levier de pouvoir nan men et puis gon paquet grande ville que c'est parti des travailleurs qui dirigent et grande ville ça c'est parmi ça plus peuplé gen au Brésil et nèg qui chef dans certaines grandes villes là c'est gros tonton chef lié on est magistrat par exemple des grandes villes tant Rio de Janeiro São Paulo c'est dans ville qui gen plus monde sur la terre ouais c'est groupe ça oui m'a parlé des villes tant Recife Belo Horizonte Manaus son paquet monde pas oublier me dit Brésil c'est la 5e puissance économique alors 7e puissance économique du monde et la 5e puissance démographique du monde. Donc c'est vraiment en pile monde. Donc parti des travailleurs a gain soutien et de toute façon on perd du pouvoir aujourd'hui a ou bral fermé à coulpo ou travail programme pour aller reconquérir pouvoir à l'avenir parce que de toute façon Bolsonaro ne peut pas tout réussir, il n'est pas Dieu justement. Rendez-vous en janvier puisque c'est le samedi tu vas le prendre officiellement et pouvoir. Merci en pile Fernando Simon parce que tu es disponible pour nous matin. Eh bien c'est ton plaisir Sergino Lendor pour nous te faire pour nous avec tous les téléspectateurs TNH. Eh bien c'est ton plaisir pour nous de la caillou. Voilà, maintenant réalisatrice moi Nadia Saint-Just parce que tu es passé une bonne journée, c'est une direct et bon après-midi si c'est en rediffusion. À bientôt.